Thank you.
Voilà, bonjour tout le monde, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. C'est dimanche matin, ça y est, j'ai pris mon café, ça commence à kicker, j'espère que vous allez bien. En plus, à Montréal, on a de la chance, on a un week-end complètement ensoleillé, donc c'est assez magnifique. Pour ceux qui sont sur Montréal, vous savez que à Angus, donc du côté du quartier Angus, eh bien, il y a le marché créatif qui sont dans le local shop. Nous, on y est aussi un petit peu pour dire « Hey, vous avez une belle boutique de laine qui s'est ouverte à Angus !» Et c'est Chloé qui était hier et qui m'a dit « Vraiment, il y avait des artisans absolument fantastiques !» Donc si jamais vous cherchez des petites idées de cadeaux de Noël, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, d'accord? Voilà. Alors, aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, en fait, on va terminer le Madja. Donc on va voir toutes les finitions, on a la partie où on va faire quelques petits rangs raccourcis pour abaisser l'encolure, on va voir comment on la finit cette encolure, on va voir aussi comment on va grafter, grafter les manches sous le corps avec un Kitchener Stitch et ça va être un petit peu ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh, j'ai plein de petites choses à vous montrer avant. Première chose, absolument pas commerciale, ça c'est cool, absolument pas commerciale, je suis tombée sur cette revue-là dans le magasin de journaux et là j'ai craqué complètement. Holiday Cookies, alors regardez ça, j'ai trouvé ça trop mignon, c'est la revue Delish et qui propose de faire des cookies avec ce qu'on appelle la tradition des ugly sweaters. Alors pour ceux qui ont vu Bridget Jones et son fameux petit journal, vous connaissez la tradition très américaine des ugly sweaters, donc les petits pulls absolument quétaines, comme on dit ici, qui se portent pour Noël. Et là, ben, j'ai craqué complètement. Je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de faire des ugly sweaters, puis je suis sûre qu'ils vont pas être aussi jolis, mais c'est pas grave, c'est pour faire des ugly sweaters. Mais je vais vous montrer. Ma fille était très très enthousiaste à l'idée de faire des ugly sweaters, mais attendez, voilà, il faut que je vous montre ça. J'ai trouvé ça trop mignon, regardez. Donc, voilà, comment faire des petits ugly sweaters à proposer à vos invités le jour de Noël. Et j'ai même une tricoteuse hier qui me disait « Oh, ben alors, il faut tricoter le ugly sweaters et offrir le cookie qui va avec. » Là, j'ai dit « Ça va trop loin, ça va trop loin !» Mais bon, voilà, s'il y en a qui ont envie de s'amuser, qui aiment bien faire des cookies de Noël, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc, Holiday Cookies sur la revue Delish, voilà. Camille qui dit on fait ça au travail la journée, des pulls de Noël moches. Sinon, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie de faire un ugly sweaters, et bien tout simplement vous prenez un petit pull complètement basique, vous faites des petits pompons, vous les rajoutez, vous brodez des petites guirlandes. Enfin, on peut tout à fait transformer n'importe quel pull basique en ugly sweaters, donc ça veut dire le pull moche de Noël à la base. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très mignon. Voilà, donc ça c'est ça. Ensuite, hier j'étais mais complètement fatiguée, ça c'est vraiment le lot des entrepreneurs quand on arrive sur le temps des fêtes, et j'avais l'impression de voir que des projets non finis, bon ça c'est ma vie aussi, et je me suis dit, ben, je vais en prendre un que je vais finir rapidement, et je suis contente, je l'ai fait, j'ai pu terminer les... je suis pas à ce point ambitieuse, j'ai pu terminer une des mitaines Penny Gloves de Petite Knit, super simple à faire, vraiment très très simple, très basic, hein. C'est vraiment juste du jersey grosso modo, puis des augmentations intercalaires, j'ai adoré les faire, je les ai nommées les mitaines les plus douces du monde, ça m'a pris, alors je les ai faites, et oui on ne se refuse rien, je les ai faites avec la Félie, donc la Félie d'Illimani, qui est faite avec, alors attention les yeux, 70% de mérino ultra fin, donc c'est vraiment le petit poil qui dépasse, qui est le plus doux du mouton, hein, et 30% de cachemire, et avec une seule pelote, en fait, je peux faire les deux. Donc ça fait très classe, on offre une mitaine dans une matière absolument magnifique, mais ça ne nous coûte qu'un écheveau, puis la Félie c'est 27$, donc voilà, ça fait quand même des cadeaux assez
assez extraordinaire. Et les Penny Gloves de Petite Knit, eh bien, ils sont aussi en français pour ceux qui ont un petit peu peur des patrons en anglais. Je vais vous écrire le nom. C'est sur Ravelry. Donc, Penny Gloves. Voilà, et le patron, il est aussi en français, ça, il est franchement pas difficile du tout. Si vous avez l'habitude de, tricoter un petit peu en rond, c'est vraiment des mitaines basiques. Mais alors, celle-là, c'est vraiment du bonbon. C'est simple, je les expose et je les récupère après, c'est sûr, c'est trop trop doux. Je me suis même mis une petite pelote de côté de Road to China de Fiber & Co. Donc là, c'est complètement décadent. On est cachemire, soie, bébé chameau, enfin bref. Mais comme je sais que maintenant, une petite pelote à peu près, attendez, ça fait combien ? 150 mètres, eh bien c'est largement suffisant pour faire mes deux mitaines. Plus rien ne me retient. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelle ? Eh bien, j'ai terminé pour le tricoter son temps des fêtes un petit col qui s'appelle le col Première Neige. Vous voyez, j'ai fait un petit motif super simple de petits flocons avec la neige qui se dépose. Et oui, je l'ai fait il y a 2 semaines quand ça commençait à floconner, les premières neiges de Montréal. Et puis, là, Félix, je suis tombée en amour. Alors, je l'ai complètement doublé à l'intérieur avec la Félie. Et oui, donc maintenant, vous voyez, j'ai le col avec... Elle est où ma mitaine ? Avec la mitaine qui va avec. Voilà, j'ai fait la... voilà, puisqu'on peut, si on a envie, le retourner. Le col, il est complètement réversible. Et puis, j'ai commencé le tuto dans le groupe Tricoter son temps des fêtes et sur la chaîne YouTube. Et le patron, eh bien, il est disponible sur le site de la maison tricotée. Je l'ai mis à 50% pour le moment jusqu'au 10 décembre. Donc, il est à 2$. Voilà, si vous voulez. J'ai doublé en fait une laine fingering, mais sinon vous pouvez utiliser un diqué. Mais j'ai bien aimé la définition que ça me donnait en doublant une petite laine fingering. Et on a mis des kits évidemment sur le site de la maison tricotée. Donc ça, c'est pour se prémunir des premiers frimas du froid. C'est tellement doux. Et est-ce que j'ai terminé avec ça? Non, il me reste un dernier petit annonce. C'est qu'on a reçu une nouveauté de chez Cascade. On a reçu la Héritage 6. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle 6. Ah oui, c'est parce que c'est un 6 plis. Donc, pour ceux qui connaissaient la Héritage Sock, qui est une belle laine à chaussettes unie, extrêmement douce, parce qu'on est sur un mérino avec un 25% de nylon, donc... 25 ou 20 ? Attendez, 25% de nylon. Donc c'est vraiment une laine à chaussettes qui se lave en machine, mais ils l'ont faite un peu plus grosse, c'est-à-dire dans la grosseur sport, 24 à 26 mailles, et ça va être super si vous avez envie de faire des chaussettes un petit peu plus grosses, qui vont un petit peu plus rapidement aussi. Donc, puis ça revient, voilà, c'est pareil, c'est des laines qui sont très abordables et très douces. On est à 17$ pour le 100 grammes, donc pour faire une bonne paire de chaussettes. Par contre, si vous voulez les monter un peu plus haut ou... bref, je vous conseillerais d'avoir 150 grammes, donc d'avoir 2 écheveaux, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de métrage. Donc ça, c'est la Héritage 6 qui arrive, pareil, dans une super grosse gamme de couleurs. Moi, je me suis pris celle-là, je vais me faire des petits bas de Noël. Ou alors, je vais peut-être me faire d'ailleurs les Penny Gloves, encore une fois en jaune. On va voir. C'est pour les petites nouveautés qui sont arrivées en magasin et mes petites créations personnelles. Alors, Camille, je voulais te demander, les chaussettes en Cyrano, est-ce que tu as rajouté un talon ? Alors, je ne les ai pas terminées puisque, voilà, je ne sais pas si je vous avais montré la semaine dernière, parce qu'entre tous les cours que je donne, j'avoue que je ne me rappelle pas toujours ce que j'ai montré. Donc, j'avais commencé les Autumn Goals de Un peu Sauvage, mais j'en suis toujours ici. Et à ta question, Camille, est-ce que je vais rajouter un talon ? Oui, je pense que je vais rajouter un talon. Normalement, il n'y en a pas. Mais pour le petit confort, moi, je pense que je vais quand même rajouter un petit talon, tout simplement. Donc, est-ce que j'ai terminé ? Est-ce que je voulais tout vous montrer ? Oh non, 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 le plus important. Bah non, c'est pas le plus important. Bah si, c'est aussi important. Bref, on a reçu ce livre-là. Alors, ce livre-là, c'est...
un énorme coup de cœur. Celui-là, il s'appelle « De moi à moi avec tellement d'amour ». Et ça s'appelle donc « Les techniques estoniennes, traditions et techniques ». C'est un livre absolument magnifique. Alors, si vous aimez comme moi l'histoire du tricot, alors là, vous allez en prendre mais plein les yeux, puisqu'il y a toute une partie, une énorme partie. Alors, il est en anglais, il n'existe pas en français, en tout cas pour le moment. Mais il y a une énorme partie sur toute la tradition du tricot en Estonie, sachant qu'on a retrouvé les premiers artefacts à peu près au 14e siècle. Alors, ce n'était pas du tricot, c'était ce qu'on appelait le nail binding. Donc, c'est un petit peu l'ancêtre du tricot, un peu comme du crochet. Mais ce que j'ai extrêmement apprécié, je me suis dit, il faut vraiment être une tricoteuse pour mettre ce genre de détails, c'est qu'ils vous montrent des fragments. Alors sur le coup, on se dit, ben, c'est pas très joli, mais ils vous disent, ok, ça c'était un morceau de mitaine, et ils me donnent l'échantillon. Regardez, ils vous donnent même l'échantillon de ce morceau de mitaine et le motif que ça représentait. Alors ça, moi, ça me fait quelque chose, ça me remue la petite cuillère, comme on dit. Donc il y a tous les fragments avec les échantillons, les motifs qui étaient là. Donc en plus de toute la partie historique qui est juste vraiment très complète, qui est très documentée, donc en plus de ça, eh bien, voilà, donc c'est aussi bien sur les mitaines, les chaussettes, les châles, les pulls. Donc vraiment, on parcourt toute la tradition du tricot en Estonie avec toutes les différentes facettes qu'elle a. Mais là où on s'amuse beaucoup, alors bien sûr, les objets, les matériels, qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment la laine était teinte, quelle était la laine qui était utilisée. Donc vous voyez, il y avait même, voilà, quelles étaient les plantes qui étaient utilisées pour avoir les couleurs des mitaines. Quelles sont les couleurs qui représentent les différentes provinces aussi de l'Estonie. Donc, quelles sont vraiment les petites couleurs qui sont très, très traditionnelles. Mais après, eh bien, on a toute une partie technique. Et c'est là où, personnellement, je m'amuse énormément. Par exemple, il y a toute une partie sur les montages. Alors, les montages, moi, ça fait partie de mes petits dadas. Bien sûr, on retrouve un traditionnel long tail. Mais après, vous avez les long tails avec deux couleurs. J'ai envie de faire juste plein de projets, juste pour tous les essayer. Le montage avec une tresse, le montage twisté, je ne vais pas tous les montrer parce qu'il y en a beaucoup, le herringbone cast on. Bref, il y en a, là je n'ai pas terminé, je tourne les pages et je suis encore sur des cast on. Regardez le chain cast on, comme il serait magnifique pour monter une mitaine avec deux couleurs. Donc après vous avez, voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de techniques qui sont mises. Il y a des petites bibliothèques de points traditionnels aussi qui vont avec. Et puis, vous avez... Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je passe énormément de techniques. Hein. Vraiment, c'est un livre qui est très complet. Et là, c'est mon nouveau dada. Je veux l'essayer cette semaine. C'est une technique qui s'appelle le inlay. Alors, ça, on a l'impression que c'est comme brodé. Et c'est des fils qui passent par-dessus le tricot. Donc, ça, c'est tricoté. Et c'est la technique du inlay. Attends, je vais voir si je peux, avec la caméra. Voilà, on voit un petit peu moins, mieux. Et voyez, tout ça, c'est du tricot et c'est juste avec la technique du inlay qu'on a cette impression que ça va être, que c'est brodé par-dessus. Et puis, bien sûr, ben, c'est expliqué comment est-ce qu'on peut faire. Et puis ensuite, vous avez des petits motifs traditionnels à tester. Pourquoi pas faire un petit marque-page pour tester votre tension d'abord et voilà, et bien vous amuser avec. Oups là. Puis au niveau des tresses estoniennes, vous voyez, vous n'en avez pas une. Ah, je vais éternuer, excusez-moi. Vous n'en avez pas une, vous en avez vraiment plusieurs. Il y a de quoi s'amuser. C'est un livre qui est vraiment extrêmement, mais extrêmement complet. Voilà. Donc ça, c'est mon nouveau... voilà, ça c'est mon nouveau cadeau. Je l'adore. Alors... Voilà, ah oui, quel dommage que ce soit en anglais. Oui, je sais, c'est toujours un petit peu, c'est toujours, j'entends énormément là, pourquoi est-ce que ces patrons-là sont en anglais, pourquoi est-ce que ces techniques, ces livres, etc. Il faut, alors attendez, je vais juste refermer la porte qui grince derrière ma
Voilà, excusez-moi. Il fallait laisser rentrer Matcha, sinon elle aurait grogné, elle aurait gratté à la porte. Donc, je vous rappelle que la technique du tricot, enfin, pas la technique, la culture du tricot est très très développée dans les pays anglophones et un petit peu moins en France. Et c'est pour ça qu'on se retrouve malheureusement avec beaucoup plus de documentation ou de patrons du côté anglophone que du côté francophone. Il y a des explications historiques qui sont très intéressantes derrière, mais je ne vais pas rentrer aujourd'hui à l'intérieur. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions avant ou je commence? Ou des questions sur ce que j'ai montré, ou vous voulez où je commence? Parce qu'une fois que je commence, hein, comme je vous ai dit, je passe à travers les techniques et je réponds aux questions maintenant à la fin pour que ça soit moins interrompu. Est-ce qu'il y a des petites questions? Hop, sinon moi je vais sortir mes affaires pour qu'on puisse se parler du patron. Donc aujourd'hui, on va voir le Matcha. En fait, c'est la fin du Matcha, déjà. Qu'est-ce que l'on va voir? Donc, on va voir comment, je vous avais dit, on va faire l'encolure, comment on va terminer tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Tout est beau? Peut-on avoir une nouvelle fois le nom du livre? Bien sûr, regardez, je vous le mets comme ça. Il est disponible sur la maison tricotée, sur le site autant qu'en boutique. Donc, ça s'appelle Estonian Tech. Estonian Knitting, tradition et technique, la maison d'édition, oups, je vais y arriver, est-ce que ça va, c'est Sahara, voilà. Les chaussettes de décembre commencent quand? Bientôt, je dois juste voir, c'est Clara qui donne le cours, donc je vais juste finaliser les derniers détails avec elle, voilà. Ok, allez, on va commencer si tout est beau. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo, ça lui permet apparemment d'avoir une remontée organique. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais c'est comme ça. Ok, on y va. Donc, on s'était arrêté normalement une fois qu'on avait terminé toute la partie du yoke. Et on va commencer aujourd'hui donc les rangs raccourcis pour remonter le dos. Et oui, si je remonte le dos, hein, lift the back, si je remonte le dos, eh bien je descends le devant et c'est comme ça que l'on va créer qu'on va créer en fait l'encolure pour qu'elle soit un petit peu plus basse. Donc on va continuer avec la couleur B et là, comme je vous disais, c'est des rangs raccourcis. On vous propose des wrap and turn. Moi, j'aime pas vraiment les wrap and turn, donc ce que je vais vous montrer, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais on va se le revoir. Je vais vous montrer comment le faire en shadow wrap. Je préfère le fini du shadow wrap, donc on va aller plutôt sur cette technique là aujourd'hui. Donc regardez bien, on commence, on va tricoter entre 56 et 100 mailles et on est sur l'endroit du travail. On va faire notre wrap and turn. Et donc, comme on fait un rang raccourci, ça veut dire qu'on tourne le travail, on va être après sur l'envers du travail, on va tricoter entre 28 et 50 mailles, et là, à nouveau, un wrap and turn. Donc ça, c'est la mise en place. Donc ça veut dire qu'au niveau du petit dessin, on est comme ça. Voilà. On a le début ici par rapport à notre sticking, donc ça c'est notre devant. On va travailler donc entre le nombre de mailles qui correspond à votre taille. Puis, grosso modo, vous allez arriver ici, vous êtes sur l'endroit. Et là, on va faire, moi je vais le marquer SR pour short row, on va faire notre short row. Et là, on repart en arrière, donc on travaille en aller-retour et on va se retrouver ici. D'accord, donc on va se retrouver sur le dos du travail, on va travailler plus de rangs sur le dos et donc évidemment ça va creuser la partie ici qui est le devant. Donc les deux premiers rangs, c'est la mise en place en fait de vos rangs raccourcis pour pouvoir se retrouver au bon endroit. Une fois que l'on a fait donc le rang en droit et le rang en vert, on va tricoter jusqu'à 4 mailles avant l'espace qui s'est créé. Alors, hop, on va avancer un peu là. Voilà. Donc, je suis ici, je vais tricoter le prochain rang en droit jusqu'à
4 mailles avant l'espace qui s'est créé. Donc j'arrive un petit peu avant. Et vous pouvez vous mettre un petit anneau repère qui se referme si vous avez peur de ne pas le retrouver facilement. D'accord ? Donc je m'arrête 4 mailles avant l'espace qui s'est créé. Et ensuite, je fais mon short row. Donc je fais le shadow ou le wrap and turn, c'est vous qui décidez. Et je repars ensuite sur l'envers et je fais la même chose. Je vais m'arrêter 4 mailles avant l'espace qui s'est créé. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais le répéter entre 2 et 5 fois selon selon la taille que j'ai fait. Donc, répéter entre 2 et 5 fois, d'accord ? Hop ! Si je dois le répéter, par exemple, 2 fois de plus, hop, ça veut dire que je le fais une fois et deux fois. Donc, je rajoute 2 rangs de plus. Donc, plus je le fais, évidemment, plus je vais creuser l'encolure du devant. Je vous remontre le shadow wrap, hop, pour rafraîchir un petit peu les mémoires. Ah, viens là toi. Ok. Donc sur l'endroit, ça va ressembler à quoi? Donc, je tricote le nombre de mailles qui m'est demandé. Voilà. Et quand j'arrive au moment où je dois faire le wrap and turn, à la place, donc je vous propose le shadow wrap, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre le brin de la maille qui est du rang juste en dessous. Donc je vais prendre le brin qui est le plus à droite, je le soulève, je le pose sur mon aiguille et je vais le tricoter à l'endroit. Voilà. Et je vais remettre cette maille que je viens de créer sur l'aiguille de gauche. Donc là, on a une maille mutante à deux têtes. Vous voyez, on voit bien le petit cou qui sort ici et on voit les deux têtes qui apparaissent. Je vous le refais une dernière fois. Donc, au moment où je dois faire le wrap and turn, je le change pour le shadow wrap si vous le voulez. Vous pouvez faire du wrap and turn si vous voulez, hein, vraiment. c'est juste que moi, c'est une technique que je préfère. Donc, je soulève le brin à droite. Hein, on a une maille qui a deux brins, deux pattes, une à gauche, une à droite. Donc celle du rang d'en dessous, hop, je la soulève, je la place sur l'aiguille de gauche et je la tricote à l'endroit. Une fois que je l'ai tricotée, eh bien je vais la reglisser sur l'aiguille de gauche et je me retrouve donc avec ma maille mutante à deux têtes. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je tourne mon travail. Donc, la maille mutante reste sur l'aiguille de droite. Et maintenant, on va voir comment on fait pour faire la même chose sur l'envers de notre travail. Voilà. Donc, je suis sur l'envers du travail. Je vais glisser cette fois-ci la maille que je devrais tricoter. Voilà. Je vais ensuite soulever son petit collet qui est ici. Donc pareil, c'est le rang d'en dessous. Donc je soulève son petit collet et je vais venir le tricoter à l'envers. Voilà, donc je me retrouve à nouveau avec une maille mutante qui, vous voyez, elle a comme une écharpe. Elle a comme une écharpe ici et puis vous avez les deux têtes qui dépassent et ces deux têtes, cette maille mutante, eh bien, je vais à nouveau la déplacer sur l'aiguille de gauche. Donc, vous voyez, allez, je le refais. Donc, sur la maille où je devais faire le wrap and turn, je glisse la maille suivante. Je vais venir chercher le petit collet, donc c'est la maille d'en dessous, et je vais la tricoter à l'envers. Maintenant, je me retrouve avec les deux têtes et je vais glisser cette maille sur mon aiguille de gauche et je tourne.
Hop, là le fil est un petit peu, voilà. Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est de tricoter jusqu'à 4 mailles avant le moment où vous avez tourné. Donc ça voudrait dire que je vais tricoter, là j'ai peu de mailles, c'est que je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles. Donc je vais tourner sur celle-ci, d'accord? Donc là j'ai le moment où j'ai tourné, qui est ma maille mutante. Donc ça veut dire que je me rends jusqu'à 4 mailles avant, 1, 2, 3, 4. Hop, on va s'y rendre. Voilà, et ça voudrait dire que maintenant, je vais faire mon rang raccourci sur cette maille ici. Je vais le faire un petit peu plus loin parce que sinon, je ne vais plus avoir de place. Ok, on va dire que celle-là, c'est la quatrième maille. Donc, je fais mon rang raccourci sur la quatrième maille. Donc, toujours la même chose sur l'endroit. Je ramasse le brin droit de la maille du rang d'en dessous. Je la tricote et je la replace sur l'aiguille de gauche avant de tourner. Et on va faire la même chose sur l'envers, c'est-à-dire on va se rendre jusqu'à 4 mailles avant la maille qui a été dédoublée. Et sur la quatrième maille, on va pouvoir faire le rang raccourci. Donc je glisse sur l'envers, je glisse la quatrième maille. Je vais venir ramasser le petit collet, puis le tricoter à l'envers. Et remettre ces deux mailles-là sur l'aiguille de gauche et tourner. Donc une fois que vous avez fait, déjà vous voyez surtout que c'est de la grosse laine, vous voyez ce qui va se passer, c'est-à-dire que les mailles qu'on n'a pas tricotées se retrouvent plus bas et les mailles que l'on tricote se retrouvent beaucoup plus haut et puis on voit déjà donc le dos qui se surélève et le devant qui va se retrouver beaucoup plus bas. Une fois que l'on va avoir terminé, hop là, une fois que l'on a terminé le nombre de rangs raccourcis, on va faire un tour complet. Si vous avez fait des wrap and turn, on vous demande de ramasser les wraps et de les tricoter avec les mailles. Et si vous avez fait les shadow wraps, eh bien, on va faire un rang complet, tout simplement sur, à chaque fois que vous allez rencontrer une maille mutante, une maille qui a muté, eh bien, vous allez prendre les deux têtes et vous allez les tricoter comme une seule. C'est aussi simple que ça et je trouve que le résultat est vraiment, voilà, le résultat est vraiment, alors là la laine est très grosse donc ça fait une grosse maille, mais le résultat passe complètement inaperçu. Donc vous allez vous retrouver à chaque fois avec des mailles qui ont deux têtes et simplement quand vous tombez sur ces mailles-là, eh bien vous les tricotez comme un seul homme, comme une seule maille, voilà. Donc vous allez, une fois que vous avez terminé tous les rangs raccourcis, vous faites un rang complet en égalisant. Donc on va se retrouver après avec des mailles tout à fait normales et ça nous permettra d'avoir obtenu l'arrondi nécessaire. Après ça, pouf, ok, donc une fois que l'on a donc résumé ce qu'on appelle résumé les rangs raccourcis, on va continuer donc neckline, ce qui veut dire la bordure de l'encolure. Donc au prochain rang, vous allez diminuer entre 3 à 21 mailles de manière evenly, de manière consistante. Alors ça veut dire quoi de manière consistante? Ça veut dire que si vous devez diminuer 21 mailles sur votre encolure, eh bien vous n'allez pas faire 21 fois 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et ensuite tricoter tout à l'endroit. Ça va pas le faire. Ça va faire que d'un côté ça va être comme tout pogné comme ça et de l'autre côté ça va être normal. Donc vous allez devoir les répartir sur votre rang. C'est très simple. Donc, je vais prendre le cas le plus extrême où vous avez, hop là, où vous avez 21 mailles à répartir. Donc, à la base, on a terminé notre travail avec 151 mailles. Donc, on avait 151 mailles et on doit en enlever 21. Dans ces cas-là, je vais faire 151 divisé par 21. Excusez-moi, on sort le téléphone qui est trop intelligent. Et ça va faire 151 divisé par 21. Ça m'amène approximativement à 7. Donc ça fait 7 parties
où je dois diviser. Donc je ne vais pas faire 7 plus 2, d'accord, 7 mailles plus 2 mailles ensemble, parce que si je fais ça, eh bien ça concerne 9 mailles au total. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter 5 mailles plus 2 ensemble, et ça devrait m'amener à peu près à les avoir répartis de manière uniforme sur ces 151 mailles. Donc vous faites exactement le même calcul si vous avez 13 mailles à diminuer ou 11 mailles à diminuer pour pouvoir les diminuer de manière le plus répartie. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Pour pouvoir répartir vos diminutions de manière élégante et proportionnelle sur votre encolure, et bien tout simplement vous faites cette petite division et puis vous faites vos diminutions. Après ça, oups, allez, fais-moi un petit focus, merci. Donc, on répartit donc nos diminutions, donc on se retrouve avec beaucoup moins de mailles, ça c'est toujours le bonheur. On va changer pour des aiguilles plus petites. Alors, si comme moi vous êtes une tête de linotte, vous allez marquer cette phrase-là, vous prenez tout de suite un highlighter jaune fluo, vous mettez un sticker avec une petite étoile, enfin vous faites ce que vous voulez, mais vous devez ne pas oublier de changer pour des aiguilles plus petites pour avoir une encolure qui se resserre. Parce que si c'est avec les aiguilles un petit peu plus grosses, vous risquez évidemment d'avoir une encolure un petit peu plus baveuse. D'accord ? Donc attention, on highlight cette partie-là de notre patron pour être sûr de ne pas oublier. D'accord ? Donc on va changer pour les plus petites aiguilles et on va rabattre les deux mailles du stick. Et après ça, on va travailler en côte. Et on va continuer en côte, mais en back and forth, ça veut dire qu'on va travailler en aller-retour. Comme on vient de rabattre deux mailles, on ne peut plus être en circulaire, on va travailler en aller-retour. Donc, je ferai un petit dessin après. Sur le rang en droit, deux mailles en droit, deux mailles envers, je répète jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il me reste deux mailles à l'endroit et je finis. Deux mailles et je finis par deux mailles en droit. Et sur l'envers, eh bien, je suis ma côte tout simplement. D'accord, je tricote de la côte 2-2. On va pas rentrer dans les détails. Et je vais répéter les rangs 1 et 2 jusqu'à ce que mon encolure en côte fasse à peu près 4 cm de long en terminant sur un rang envers. Donc, un petit dessin juste rapide pour qu'on se comprenne bien. À la base, je tricote en circulaire, mais je vais rabattre les deux mailles de mon sticking. Donc je vais les rabattre, comme ça, ça va m'éviter d'avoir à faire un stick sur une bordure en côte. Ça, c'est toujours un petit peu embêtant. Donc, on se l'enlève. Voilà. Ces mailles-là, c'est terminé. Donc, je ne suis plus en rond. Donc, je vais devoir tricoter en aller, puis quand j'ai fini ici, je retourne dans l'autre sens. Donc c'est de l'aller-retour, je fais de la côte 2-2, de maille en droit, de maille envers, jusqu'à ce que j'ai une hauteur de 4 cm, tout simplement. D'accord ? Une fois que j'ai terminé de faire mon encolure en côte 2-2. Au prochain rang, alors attention, hein, on ne rabat pas d'une manière classique, ça va être, on va diminuer un petit peu. Au prochain rang, donc on est sur le rang en droit, on va faire deux mailles ensemble, deux mailles en droit, puis ensuite deux mailles envers ensemble. Et on va répéter jusqu'à la fin. Donc ça fait une petite ligne qui resserre encore un petit peu. Et une fois que vous avez fait cette ligne de diminution, eh bien, vous allez devoir rabattre dans le motif de la côte. Alors, attention, surtout, je ne dois pas rabattre. Je vais faire quelques côtes 2-2 jusqu'on se... Je ne dois pas rabattre en rabattant à l'endroit. Vous êtes sur un motif de côte. Si vous rabattez tout en maille à l'endroit, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir très, très serré.
et vous allez avoir énormément de mal à passer votre tête dans votre encolure. Donc faites très attention, hein, quand il y a marqué « bind off in a rib pattern », ça veut dire que je dois rabattre en suivant mon point de côte. Alors je vais juste faire deux rangs et je vais vous mettre on va se mettre des images pour pouvoir bien comprendre ce que ça veut dire. Ok, parce que je ne veux pas que vous me fassiez une erreur aussi élémentaire. Rabattre de la côte en maille endroit, ça ne pardonne pas, vous cassez en fait toute l'élasticité de la côte. Donc vous pouvez rabattre normalement, d'accord, tricoter vos mailles endroit et à l'envers, mais vous devez absolument le faire en suivant votre point. Donc hop, j'y arrive, voilà. C'est tout l'avantage de la grosse laine, ça se tricote rapidement. Elisa qui dit « Il faut avoir une licence de mathématiques en anglais agrémentée de cours de prestidigitation. » Voyons. Voyons. Ok. On est là. Donc, le rang de diminution. Je fais deux mailles à l'endroit. Et quand je me retrouve face aux mailles à l'envers, eh bien, je les tricote ensemble. Donc ça, c'est le dernier rang avant de rabattre où je fais deux endroits et après deux mailles ensemble à l'envers. Deux endroits et deux mailles ensemble à l'envers. Donc ça va resserrer un petit peu l'encolure. Donc on fait ça tout le long de notre encolure. Donc c'est joli, regardez. Vous voyez, ça nous termine, voilà, ça nous termine comme ça. Et quand je vais rabattre, je rabats en suivant le point de côte. Donc ça veut dire quoi? Là, quand je vois des mailles envers, eh bien, je rabats en tricotant deux mailles à l'envers. Et très souplement, je viens prendre la maille de derrière. Voilà, je rabats. Alors, si vous voulez rabattre souplement, ça veut dire qu'une fois que j'ai rabattu, je ne tire pas. D'accord? Je ne gouègue pas ma maille, surtout pas. Je vais vraiment passer par-dessus et je ne serre pas mon fil, ça sert à rien. Là, je vois une maille à l'endroit. C'est la résultante de ma diminution. Donc, votre maille à l'endroit, c'est normal, elle a une drôle de tête. C'est correct. On la tricote à l'endroit. Hein, ça, c'est le reste de ma diminution en faisant deux mailles ensemble à l'envers. Je passe par-dessus. Et encore une fois, je ne serre pas. Je dois juste être légère, un doigté léger, comme si je faisais des œufs en neige. Non, très doucement, vraiment, on rabat tout en douceur. Là, j'ai des mailles envers, je les tricote à l'envers, je rabats et je ne serre rien. Je tricote la prochaine maille, elle est à l'envers, je la tricote à l'envers, je suis mon point de côte. Voilà. Puis là, j'ai une maille à l'endroit. Je repasse donc mon fil derrière. Je tricote ma maille à l'endroit. Et tout en délicatesse, je passe mon fil par-dessus. Voilà, je termine. Donc, je vois des mailles envers. Je les tricote à l'envers pour pouvoir les rabattre. Et voilà, ça y est, j'ai donc un rabat qui est élastique et qui va suivre mon point de côte tout joliment. Après ça, eh bien, vous coupez le fil, vous rentrez dans la maille et puis l'affaire est dans le sac. Voilà. Ensuite, donc là, on a terminé notre encolure. Pour finir, donc, notre pull, il est presque terminé. Pour finir, ok, tu voulais dire bonjour, ça y est. Oui, ma doudou, je suis en cours. Oui, je suis en cours. Est-ce que tu pourrais nous laisser tranquille? Voilà, est-ce que tu pourrais nous laisser tranquille? On travaille là. Oui, on a du travail à faire. D'accord? Oui, ma puce, on a du travail à faire. Oui. Voilà. Bye bye. Bye bye. Oui. Parfait. Allez, bye.
Excusez-nous. Voilà, maintenant il y a du poil partout. Voilà. Ok, excusez-moi, petit intermède de chat. Donc, pour terminer, nous allons joindre les manches, enfin les dessous de bras ensemble et puis fermer les petits trous des deux côtés. Alors, on va prendre le bébé pull. Voilà, on va prendre le petit bébé pull. Hop, on avait joint la manche au reste du corps et puis on avait mis des mailles en attente pour le dessous du bras. Donc vous vous rappelez, ça ressemblait à ça. Une partie des mailles de la manche qui était en attente et qui était juste face au même nombre de mailles qui étaient pour le corps. Donc comment est-ce qu'on va les joindre? Tout simplement, vous allez... Hop, on va voir si je peux vous faire ça avec la macro caméra, la micro caméra. Voilà. Donc vous remettez ces deux mailles-là soit sur des aiguilles double pointe, soit sur votre aiguille circulaire et vous faites en sorte que les deux rangées de mailles sont face à face. Moi je vais vous recommander le traditionnel Kitchener Stitch parce que ça donne un très très bel effet. Donc on va commencer. Hop, on va juste vous prenez un nouveau bout de fil ou alors si vous aviez laissé plein de fils. Quand vous aviez commencé la manche, pourquoi pas, vous pouvez l'utiliser. Donc, on commence. Hop, je ne vais même pas faire de nœud, je vais laisser le fil comme ça, puis je vais m'en laisser, vous voyez, je vais m'en laisser beaucoup. Hop, pourquoi est-ce que je vais m'en laisser beaucoup pour commencer? Parce que ce fil-là, il va m'être utile pour faire une petite couture et refermer un espace qui s'est sans doute créé quand je vais... Quand je vais avoir fini ma couture, je vais sans doute avoir un petit trou à droite et à gauche de la manche. Donc, je me laisse un bon bout de fil, d'accord? Je suis pas avare de laine. Je ne me mets pas un petit bout de fil. Je vais m'en laisser beaucoup pour pouvoir faire ma couture des deux côtés de la manche. Donc, je l'ai mis ici et c'est parti. On commence sur l'aiguille du devant, donc l'aiguille du pull. Je fais un traditionnel Kitchener Stitch, donc mise en place, je passe dans ma première maille comme pour tricoter à l'envers et je vais ensuite dans la maille de la manche comme pour tricoter à l'endroit. Donc je me suis pris un bon bout de fil, je l'ai enfilé sur une aiguille à laine et maintenant que j'ai fait ma mise en place, eh bien, je vais toujours répéter la même chose. Aiguille du devant, je vois des mailles en droit, je rentre dans ma maille, comme pour la tricoter à l'endroit, et je fais tomber ma maille. Et après, je passe dans la maille suivante, comme pour tricoter à l'envers, et celle-ci reste sur mon aiguille. Je vais maintenant sur mon aiguille de derrière, je vois des mailles envers. Je vais prendre donc ma première maille comme pour la tricoter à l'envers et je vais la laisser tomber de mon aiguille et je vais prendre la maille suivante inversement à l'endroit. Hop. Et je resserre. Et c'est parti. Je continue, aiguille de devant, endroit du travail. Je prends donc la première maille à l'endroit, je laisse tomber. Oups, on essaye de ne pas faire tout tomber. Je laisse tomber et la prochaine maille inversement sera à l'envers et elle reste sur l'aiguille. En fait, on passe toujours deux fois dans les mailles. Oups. Et je vais maintenant sur la maille de derrière. Je vois l'envers du travail. Donc ça, c'est mon petit côté mémotechnique. Je vois l'envers du travail. Donc, je prends la première maille, comme pour la tricoter à l'envers, tombe, et inversement, la prochaine, comme pour la tricoter à l'endroit, et reste. Et je reviens ici, donc je vois l'endroit, première maille, endroit, tombe, et prochaine, à l'envers, reste. Je vais derrière, hop, à l'envers, tombe, à l'endroit, je resserre au fur et à mesure, hop, et voilà, et je continue, endroit tombe, bon,
je vais pas. Vous pouvez voir aussi, j'ai fait un petit tutoriel sur notre chaîne YouTube si vous avez besoin de le voir en détail. Pour les tricoteuses de chaussettes, je suis en train d'expliquer quelque chose que vous connaissez parfaitement bien. Pour les tricoteuses de mitaines aussi. Mais sinon, eh bien, c'est une couture que je vous conseille vraiment de bien connaître. Puisque, comme vous allez voir, elle est vraiment magique. On ne voit plus rien après. Hop, je resserre. Je vais terminer. Voilà. C'est bien pratique ces mini petits pulls. Je pense que je vais réessayer, je vais réutiliser cette technique de mini pull pour les enseignements. C'est plus facile que les grands pulls. Allez. Hop. Donc, quand on arrive à la fin, on se retrouve avec juste une maille sur l'aiguille. Et il reste là. Juste une maille sur l'aiguille du dessous et l'aiguille du dessus. C'est normal, puisqu'on les élimine, l'une après l'autre. Et je termine par la dernière maille à l'endroit tombe, l'autre à l'envers et tombe. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est vraiment une couture qui est superbe parce que, eh bien, elle est complètement plate, donc ça ne vous gêne pas sous les bras. Elle est vraiment plate et puis c'est vraiment, les mailles ont l'air de se fondre les unes dans les autres. Donc c'est une très très bonne technique à maîtriser. Et comme je vous disais, vous allez sans doute vous retrouver avec un bon espace entre le corps et la manche, malgré la couture que vous avez faite. Donc dans ces cas-là, vous allez utiliser le fil de votre Kitchener Stitch, vous l'utilisez pour pouvoir... Je vais juste rentrer celui-là, il me gêne. Voilà, vous allez l'utiliser pour faire une petite couture et réduire l'espace qui s'est créé. Donc, tout simplement, on peut... Voilà, on fait un petit point. Vous pouvez prendre une maille, les deux pattes d'une maille en dessous, les deux pattes d'une maille au-dessus. On resserre et après ça, on rentre les fils à l'intérieur. Voilà, quand vous avez terminé, eh bien, vous récupérez le petit fil de traîne de votre couture et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc, hop, comme ça, vous avez joint votre petite manche, vous avez une belle couture complètement invisible. Et c'est ça, voilà. C'est presque un petit ugly sweater que j'ai fait taille sapin. Prochaine fois, j'en ferai un pour match. Allez, hop. Voilà, donc une fois que vous avez cousu les deux manches à votre corps, vous allez rentrer tous les fils. Vous voyez, done in all ends, donc ça veut dire que vous rentrez tous les fils de votre pull. Et vous les rentrez, si possible, pas dans le stick, d'accord? Jamais dans le stick, toujours sur les côtés, puisqu'on va couper. Puis ensuite, vous allez bloquer votre pull. Donc, très très simplement, pour bloquer votre pull, hein, c'est pas une séance de torture, c'est pas un châle en dentelle. On va le faire tremper dans une solution lavande pour la laine type Eucalan. Donc, oups, nous, c'est souvent ce qu'on utilise, moi, je l'aime beaucoup. Produit de l'Ontario d'ailleurs. Donc c'est un petit shampoing 2 en 1 pour votre pull. Ça va venir l'hydrater, le réhydrater et le laver. Si vous avez la tweed, n'oubliez pas, il y a 2 bains à faire à votre pull. Puisque c'est une laine traditionnelle, c'est une laine qui est filée encore de manière traditionnelle dans le comté du Donegal. Donc elle a besoin de 2 bains. La première fois, donc vous mettez votre solution lavante et vous laissez juste 5 minutes, votre eau va devenir très très trouble. Vous enlevez l'eau et vous lui donnez un deuxième bain. Là, vous pouvez le laisser 20 minutes ou en tout cas répéter jusqu'à ce que l'eau soit claire quand vous allez enlever ça.
Ensuite, vous épongez très doucement, hein, votre tricot devient votre invité dans un spa. Vous allez très très doucement, on ne tord pas un tricot comme un chiffon, sinon vous allez briser l'élasticité des fibres et lui donner un mauvais pli. Donc vraiment, on y va comme, voilà, c'est un invité très très important, on le masse tranquillement. Et quand vous avez épongé le maximum d'eau avec vos mains, vous allez prendre une serviette de bain propre, vous allez le mettre dedans et vous allez le rouler un peu comme un burrito et vous allez ensuite marcher dessus pour éponger le maximum d'eau. Et après ça, eh bien, vous allez prendre une deuxième serviette de bain parce que souvent avec les pulls, ça va demander un deuxième essorage à la serviette. Et on recommence, hop, on fait notre deuxième burrito et on essore. À ce stade-là, votre pull devrait être humide mais pas trempé et vous allez pouvoir le laisser sécher bien à plat pour la prochaine étape qui va être le sticking. J'ai déjà parlé du sticking au cours d'avant, donc je ne vais pas vraiment épiloguer dessus. Je vais juste revenir sur ce qu'elle nous disait. Donc elle propose un sticking avec une machine à coudre ou en faisant des points arrière. Mais vous pouvez aussi utiliser la méthode que je vous ai montrée. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez aussi faire la méthode de chaque côté des deux mailles envers pour pouvoir couper. Donc avec le crochet comme je vous ai montré. Je sais qu'elle a une vidéo, Anne a eu la gentillesse de partager la vidéo sur le groupe Slack, mais vous pouvez aussi faire une recherche, Hélène Magnusson, how to stick a sweater, donc comment sticker un sweater, et elle a mis une vidéo avec la machine à coudre. Une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre les plus petites aiguilles, donc les 4 mm. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a coupé avant de faire les bordures. Personnellement, je ne suis pas aussi aventurière. J'aurais tendance à d'abord faire les bordures et ensuite couper parce que ça va rajouter quelque part un guideline, donc des lignes directrices, et puis ça va donner un petit peu plus de solidité. Donc moi, c'est mon point de vue personnel et que j'assume, je remonterai d'abord les mailles avant de commencer à sticker. Et en plus, ce que j'apprécie aussi, c'est que quand on stick, ça roule un petit peu, ça peut être un petit peu échevelé, donc je préfère vraiment ramasser mes mailles et faire mes bordures d'encolure avant de commencer à couper dedans. Mais c'est mon point de vue. Donc, avec les aiguilles 4 mm, vous allez remonter à peu près 2 mailles tous les 3 rangs sur chaque bordure. Et hop, et vous devez être sûr d'avoir un multiple de 4 mailles plus 2. C'est normal, c'est de la côte de 2. Et vous allez commencer, une fois que vous avez remonté sur la bande, vous allez commencer sur l'envers, c'est normal. Normalement, quand vous remontez sur la bande de gauche, on remonte de bas en haut. Donc, vous allez commencer sur l'envers. Et vous faites de la côte de 2 pour à peu près 8 rangs et vous rabattez tranquillement en suivant le motif de côte. Ensuite, quand vous allez être sur le côté, quand vous allez être sur le buttonhole band, quand vous allez être de la côté, je vais y arriver, quand vous allez être pour la partie de la boutonnière, ce qu'elle vous conseille, c'est de placer 9 à 10 boutonnières de manière espacée avec des petites pins. C'est-à-dire, vous remontez vos mailles. D'accord, vous avez remonté vos mailles et vous allez prévoir où est-ce que vous allez placer vos boutonnières. Donc moi souvent ce que je fais, j'ai ma bande ici, eh bien je me mets une petite pince au milieu
Et puis, je m'en mets au milieu des milieux. Puis ensuite, je me replace des petites pins au milieu des milieux des milieux. D'accord? Juste pour m'assurer que c'est bien réparti. Donc vous allez placer des petites... Vous pouvez utiliser évidemment des anneaux repères qui se referment, ou en faisant attention quand vous allez tricoter, vous pouvez utiliser des petits tippins pour bien marquer l'emplacement de vos boutonnières. Une fois que vous avez fait ça, vous allez travailler en côte de 2, bien sûr en étant sûr que vous ayez le même nombre de mailles que l'autre bande d'encolure que vous avez remontée. Ça, ce serait très intelligent. Sur le quatrième rang, vous allez faire une boutonnière de 2 mailles. Donc, comment est-ce qu'elle vous propose de faire ces boutonnières? Travaillez 2 mailles, glissez 2 mailles sur l'aiguille de droite, puis vous allez passer place slip stitch or first stitch. Alors, je vais juste vous le montrer, ça va être mieux. Hop. Ok, je récupère mes mailles. Voilà. N'oubliez pas que je vais répondre aux questions une fois que je vais avoir juste terminé la petite démonstration. C'est toujours plus simple. Mais je ne vous oublie pas. Donc, gardez votre stock de questions et on s'en jase juste après. Ok, donc on est ici. On est ici. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Travailler 2 mailles. Donc, je tricote 2 mailles comme elle se présente, donc 2 mailles à l'endroit si elle se présente à l'endroit, ou 2 mailles à l'envers si elle se présente à l'envers. Maintenant, glissez 2 mailles sur l'aiguille de droite. Donc, je vais glisser comme à l'envers. 1, 2. Passez une maille glissée par-dessus. Donc, je vais prendre la première maille que j'ai glissée et je vais la passer par-dessus la deuxième. Voilà. Et glisser une maille de plus, slip one more stitch onto the right needle. Donc, je glisse une maille de plus sur l'aiguille de droite. Et je vais rabattre la deuxième maille glissée par-dessus. Donc, vous avez vu, j'ai rien tricoté. C'est juste des mailles glissées. L'avantage, en fait, de ne pas les avoir tricotées, glissées, tricotées, glissées, bien que c'est beaucoup plus serré, donc ça a beaucoup moins de chances de s'étirer. Après ça, return stitch back on left needle. Donc, je remets la dernière maille sur mon aiguille de gauche. Et puis, montée de maille with a back loop cast on. Donc, j'ai mon fil qui est resté là et je vais monter maintenant 2 mailles avec le back loop cast on. Donc, j'ai mon fil qui était à droite, je le prends dans ma main gauche, je place mon pouce dessus et je fais le tour. Ça me fait une petite boucle que je rentre. Donc j'ai monté une maille, je place mon pouce sur le fil, il passe en dessous, ça lui fait un petit collier et je rentre dans la boucle. Hop, je resserre. Donc je viens de monter 2 mailles alors que j'en ai rabattu 2, donc tout est beau. Et je vais continuer jusqu'au prochain tippins. Hop, allez, je vais le refaire une deuxième fois. Donc, je glisse une première maille, je glisse une deuxième maille, je rabats la première maille glissée par-dessus la deuxième, je glisse une maille de plus de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite et je vais rabattre la dernière maille glissée par-dessus. Donc, je viens de rabattre 2 mailles. La maille qui me reste se retrouve maintenant sur l'aiguille de gauche. Et là, je passe mon fil dans la main gauche et je monte 2 mailles avec le back loop cast. Donc, je place mon pouce dessus, je fais le tour et hop.
Je place mon pouce dessus, je vais en dessous et après ça, je rentre à l'intérieur. Voilà, je récupère mon tricot et c'est parti. Donc ça va nous donner un montage qui, une boutonnière, voilà, qui va être solide. Le fait que ça soit rabattu en mailles glissées, ça va pas se détendre. Donc voilà. Et après, eh bien, on termine. On va faire ensuite, hop, on va travailler 4 rangs de plus en côte de 2 et on va rabattre en suivant le patron, en suivant le motif des côtes. Après ça, elle vous dit « steam block the ribbed band ». Donc, vous allez rabattre à la vapeur. Qu'est-ce que ça veut dire, rabattre à la vapeur? Alors, pour moi, en français, ça serait comment on appelle ça? Ça s'appelle la pâte mouille. Alors, la pâte mouille, ça veut dire quoi? C'est un drôle de nom. Ça veut dire que vous allez prendre un fer à repasser, vous allez le mettre sur laine, vous allez mettre un peu d'eau pour qu'il y ait un peu de vapeur, et sur l'envers, vous allez placer un torchon, un linge de cuisine propre, et vous allez doucement passer votre fer avec la vapeur à travers le linge de cuisine que vous humidifiez légèrement avec le petit pchit, d'accord? Donc, vous passez votre fer, mais vous le placez à travers, par-dessus un linge de cuisine pour être sûr, évidemment, de ne pas brûler votre pull. Ça serait quand même dommage à cette étape-là, hein. Donc, on place le linge de cuisine par-dessus les côtes et on va repasser doucement à la vapeur en étant sûr d'avoir légèrement humidifié votre linge de cuisine pour que la chaleur puisse passer. Donc, hop, donc c'est ça. On va légèrement repasser les bandes d'encolure avec de la vapeur, donc à la pâte mouille. Et puis, elle nous dit « trim the stick ». With time it will felt the fabric and become invisible. Donc trim, en anglais, ça veut dire, bon, on va rentrer, trim the stick, alors là, on va couper, excusez-moi, ça y est, on va couper les petits fils qui pourraient dépasser de notre sticking, pour pas qu'il y en ait trop qui dépassent, normalement il ne devrait pas y en avoir vraiment, mais donc vous pouvez prendre une paire de ciseaux et vous pouvez faire une petite coupe au fil qui dépasse de votre stick, étant donné que vous avez choisi une laine qui n'est pas lavable en machine, au fur et à mesure que vous allez porter votre cardigan, eh bien la laine va s'amalgamer, va se feutrer avec le reste du tricot. Donc, d'où l'importance de ne pas travailler avec des laines qui soient lavables en machine, parce que ça ne le fera pas. Ou alors, vous pouvez aussi cacher votre stick avec un ruban, si vous avez la patience ou une bonne machine à coudre. Coudre les boutons sur le côté opposé à vos boutonnières, et puis montrer ça à tout le monde en disant que vous l'avez fait vous-même. Voilà, donc j'ai terminé pour la partie questions. Je vais pouvoir maintenant voir, pour la partie technique, je vais pouvoir maintenant voir vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Bonjour, je suis en train de commencer mon troisième maja. Troisième? Oh my god, ok, mets les photos, je veux voir les deux premiers. J'ai commencé en XL et fini par un L pour le yoke et c'est parfait pour tenir bien haut sur mes épaules. Patron formidable, merci. Oh, ben écoute, ça c'est une excellente point pour les autres. Donc, tu as commencé en XL et tu as fini par un L pour le yoke. Donc, ça veut dire que tu as dû faire des diminutions pour... comment est-ce que tu as fait pour passer du XL au L? Attends, je suis juste en train de me demander pour ton... Est-ce que tu as fait des diminutions? Comment est-ce que tu as fait pour passer du XL au L? Mais L tricote, s'il te plaît, on veut des photos. J'ai pas réussi à partager. J'ai encore mon logiciel qui m'a... Une fois, il décide qu'il est d'accord de partager. La fois d'après, il n'est plus d'accord. Donc, il faut que je trouve c'est quoi le bouton à mettre pour que ça soit.
Pour la technique du boutonnage, peut-on l'utiliser pour des boutons plus gros, genre 4 mailles? Oui, Louise, bien sûr que tu peux faire ça, hein. Tu peux rabattre une maille de plus. Par contre, fais attention, une boutonnière en tricot, ça s'étire un petit peu. Donc, tu ne veux pas que ton bouton y passe facilement. Il faut qu'au début, il passe en forçant, ben, pas en forçant trop fort, mais en forçant légèrement pour qu'avec le temps, tu sois sûr que tes boutons y tiennent bien. D'accord? Donc, oui, il suffit de rabattre, au lieu de rabattre 2 mailles, tu peux en rabattre 3, toujours avec cette technique des mailles glissées, et tu vas avec le backward loop cast-on, tu vas monter 3 mailles. Ça, c'est pas un problème. Juste, quand tu fais ta boutonnière, peut-être ne le teste pas sur ta boutonnière à tout défaire après. Fais un petit échantillon, d'accord? Fais un petit échantillon, et puis teste par rapport à tes boutons, teste tes boutonnières. Et après ça, tu l'appliques sur ton pull en tant que tel. Donc, Eltricot, tu as fait un travail à la place des augmentations, tu as fait des diminutions. C'est vraiment intéressant en tout cas, merci. Est-il nécessaire de faire les rangs raccourcis? Je trouve que lorsque je les fais, je trouve que ça monte toujours trop haut dans mon cou. Alors André, ce n'est pas, tu peux tout à fait te passer des rangs raccourcis, d'accord? Tu vas avoir une partie qui va être plus égale, c'est-à-dire tu vois un peu comme le pull que je porte là, qui m'arrive à la glotte, au lieu d'arriver ici. Donc non, si ça t'agace cette technique-là, tu peux tout à fait t'en passer. Avec plaisir Louise. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo, ça va permettre à tous les tricoteuses et tricoteurs qui ont envie de trouver un petit peu des techniques et des tutoriels de nous retrouver apparemment plus facilement. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au Madja? Alors j'ai vu des photos magnifiques de personnes qui l'avaient terminé sur les groupes Facebook et Slack. Je vous conseille vraiment d'aller les voir. J'ai essayé vraiment de trouver le moyen de les partager aujourd'hui et ça n'a pas fonctionné. Voilà, voilà. Alors, est-ce que c'est bon ? Bon, si c'est bon, je vais pas m'attarder trop. Je dois filer maintenant au marché du LocoShop, un autre stand, où j'ai une très gentille bénévole qui le tient en mon absence. Mais voilà. Eltricot dit, cela me fait une répétition de motifs en moins pour aller passer du XL au L en enlevant donc les... Ok, super. À quelle date commencera le Fairy Bouquet? Du coup, on fait quoi les dimanches de décembre vu que les cardigans sont quasiment finis? On se repose. On les termine. écoute, je vais vous parler, je pense, très prochainement, ben, justement, du Fairy Bouquet. Et au niveau des dates, quand est-ce que ça commencera? Donc, je m'occupe de faire la présentation à la croisée des chemins la semaine prochaine, et donc je vais pouvoir vous donner voilà, je vais pouvoir créer les groupes, faire l'identité visuelle, enfin toutes ces petites choses super intéressantes, et donc je vais vraiment vous en parler dimanche prochain. Voilà, voilou. La première semaine de janvier, donc on va faire le pull avalanche de Heidi Kermayer, donc ça va être la première semaine de janvier. La deuxième semaine de janvier, eh bien, je vous laisse pour une autre classe. Je vous abandonne. Je pars à Cuba pour aller enseigner avec mon groupe d'artisanes là-bas. Donc, je prends une semaine pour aller donner une formation sur place. C'est complètement bénévole. S'il y en a qui veulent aider, je vais prendre de la laine à chaussettes puisque mon cours va porter sur les chaussettes. Et puis, donc je prends de la laine à chaussettes, des aiguilles double pointe et pas d'aiguilles circulaires. Je récupère des crochets aussi parce que c'est des artisanes qui gagnent leur vie, notamment en crochetant. Je récupère du coton, je récupère du Tylenol, je récupère des crèmes antiseptiques, je récupère du Tempra pour les enfants. Donc voilà, s'il y en a qui veulent participer, n'hésitez pas. Voilà, je pars avec 2 valises et j'emmène un short et un débardeur dans la valise de soute pour moi. Donc allez-y, je vais essayer d'amener un maximum de choses. Donc ça veut dire qu'on commencerait
On commencerait la croisée des chemins la troisième semaine. Coucou, le pull derrière, c'est quel modèle? Ah, mon Dieu, à chaque fois, on me le demande. C'est le truc avec Song. Allez-y, aidez-moi les autres, vous le savez. Et puis moi, j'ai un blocage sur ce pull, je ne sais pas pourquoi. En plus, je l'ai fait. Le Love Note, merci Rosemary. J'ai un blocage, hein. J'ai un blocage parce que je sais qu'il faut que je m'en rappelle, donc ça zappe. Voilà, c'est le Love Note, Catherine. Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai... Oui, je pense que je suis passée à travers tout, les amis. Je suis passée à travers tout. Non, une dernière chose vraiment importante. C'est pas si important que ça. En fait, je vais fêter mon anniversaire, mes 20 ans, évidemment. Donc, je fête mes 20 ans le 11 décembre. Donc voilà, oui, je suis née le 11 décembre 1973, 1, 2, 3, me voilà. Et puis ben, j'ai de la chance, j'ai beaucoup beaucoup d'élèves virtuels, mais beaucoup d'élèves en fait que je ne vois pas. Je vous vois, je vous parle et puis je sens votre présence, mais y a, malheureusement, c'est pas comme si j'allais vous retrouver et pouvoir vous serrer dans les bras ou vous taper du coude pour mon anniversaire. Donc... Pour ceux qui le sentent, j'aimerais recevoir des cartes d'anniversaire de mes élèves. Oui, j'ai décidé que ça serait mon plus beau cadeau d'anniversaire. J'aimerais recevoir des cartes d'anniversaire de mes élèves de partout. Donc si vous êtes au Portugal, n'est-ce pas Joanne, si vous êtes en France, si vous êtes qu'importe où vous êtes, et si vous êtes au Québec, bien sûr, eh bien j'adorerais recevoir des cartes postales d'un petit peu partout qui représentent... des artistes de votre coin, qui représentent votre ville, qu'importe. Et même, pourquoi pas, un petit mot de qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans cette communauté, de recevoir ces cours, en fait, depuis maintenant 2 ans. Donc, vous pouvez me les envoyer à l'attention de Céline. Bon, mon prénom, tout va bien. Vous pouvez me les envoyer à la boutique au 751 rue Guilford. J'aimerais tellement avoir une boîte aux lettres pleine. Bon, faut pas rêver, mais... H2J 1 et 8, soyons fous. H2J 1 et 8, Montréal, évidemment, ben c'est le Québec. Et puis pour les Français, ben c'est le Canada. Ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Ça rendrait ma communauté un petit peu plus tangible. Et voilà, donc si jamais vous avez envie... Oh, t'as acheté ma carte, merci beaucoup Nathalie. Voilà, ben, ça me ferait super chaud au cœur. Voilà, évidemment, aucune obligation, c'est juste, voilà, c'est juste pour vous rendre un peu tangible, voilà, vous avoir un petit peu près de moi pour tout ça. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée, une excellente fin de semaine et un très très beau début de semaine. Moi, j'adore les débuts de semaine, je les appelle les premiers de l'an de la semaine. J'ai toujours des super bonnes résolutions qui normalement commencent à capoter à partir du mercredi soir, mais en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde, plein de moments, plein de douceur, de tricot et avec les gens que vous aimez. Bye bye.